Bonjour à toi. Ici, je vais te montrer comment transformer des nombres décimaux, un nombre décimal, en pourcentage. Alors, parfois, on te demande de faire ce genre d'exercice. Ce qui est important de te rappeler, c'est que dans le mot pourcentage, tu as le petit mot 100. Alors, ça veut dire que ça va être sur 100. Donc, le pourcentage est toujours, toujours sur 100. Alors, ici, si j'ai 42 centième, je peux la transformer en fraction pour ensuite m'aider en pourcentage. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette technique. Alors, je sais que 42 centièmes, c'est 42 sur 100, puisque dans centièmes, j'entends 100. Et si tu ne te souviens pas comment bien les transformer, les nombres décimaux en fractions, je te suggère d'aller voir ma capsule qui en parle. Alors, j'ai 42 centièmes ici en nombre décimal. Je l'ai transformé en fraction, parce qu'ensuite, ça va rapidement m'aider à la transformer en pourcentage. Elle est sur 100 déjà. Souviens-toi, pourcentage, c'est sur 100. J'ai le petit mot 100. Donc, je suis capable de prendre mon numérateur 42, mon dénominateur 100, je vais le mettre en symbole pourcentage. Alors, 42 centièmes me donne 42 sur 100 en fraction et me donne 42%. Alors ici, j'ai 3 dixièmes. Alors 3 dixièmes, je ne l'ai pas tout de suite en centièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ma fraction équivalente. Je vais l'amener en fraction sur 100 pour ensuite la transformer en pourcentage. Alors j'ai 3 dixièmes. Je sais que 3 dixièmes s'écrit comme ça en fraction. Maintenant, je vais être capable d'aller me dire 100. Fois combien? En fait, 10 fois combien égale 100? Je sais que 10 fois 10 me donne 100. Si je fais fois 10 au dénominateur, je vais tout de suite faire fois 10 au numérateur. 3 fois 10, je sais que ça me donne 30. Donc maintenant, je suis rendue à 30 centièmes. Je vais donc pouvoir prendre mon numérateur, le réécrire, et mon dénominateur 100. 100, c'est comme des pourcentages pour 100. Alors, je vais pouvoir mettre mon symbole pour 100. Alors, si tu te souviens de ce petit symbole ici, ça va t'aider. Et utilise la fraction. Tu vas voir, peut-être on n'est pas tout à fait à l'aise avec les fractions, mais ça va vraiment t'aider à mettre en fraction pour ensuite le transformer en pourcentage. N'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.